Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle catégorie de vidéo, donc je vous propose de découvrir avec moi les produits que je teste actuellement et de savoir dans quelques semaines ou dans quelques mois, enfin plutôt dans un mois, pardon, de savoir ce que j'en pense et si par exemple si vous aussi vous avez certains produits que j'ai déjà, que je suis en cours de test. Si vous voulez partager un petit peu vos avis avec moi, bah, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis, j'en serai ravie. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite catégorie comme ça, vous montrer un petit peu les produits que je suis en train de tester, et afin d'en parler un petit peu avec vous et de voir quels sont les produits prioritaires que vous aimeriez bien voir absolument, peut-être d'ici quelques semaines. Que je vous en parle en premier, donc je ne sais pas si c'est une catégorie que vous allez aimer ou pas, si vous allez adhérer à ce concept ou pas, mais en tout cas voilà, je voulais essayer, et du coup voilà, ce sont les nouveautés que je vous présente, que j'ai, que je suis en cours de test, et voilà, dites-moi un petit peu les produits que vous aimeriez voir en premier, dont je vous parlerai avant les autres, donc voilà. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais en tout cas, voilà. Donc, bref, on va passer au produit. Donc, il n'y a pas de maquillage. Enfin, s'il y a un produit maquillage, mais voilà. Sinon, le reste, c'est plus des soins. Donc, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc, tout d'abord, j'ai un produit de la marque LCA Nature et Bien-être. C'est un sérum pour peau sèche réparateur 100% d'origine naturelle. Aux 5 huiles végétales et aux 3 huiles essentielles. Donc, et comme ceci sous forme de pipette. Donc, voilà, je suis en cours de test, donc du coup, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Donc, je voulais vraiment vous en parler. Donc, celui-ci, je pense que c'est un produit que je vais bientôt vous en parler sur mon blog. Donc, voilà. En tout cas, voilà, enfin, je pense que je vais vous en reparler, mais voilà, si vous l'avez testé, dites-moi un petit peu. Si vous connaissez aussi la marque aussi, parce que moi, avant ça, je ne la connaissais pas du tout. Donc, c'est la marque LCA, Nature et Bien-être. Donc, voilà, dites-moi si vous connaissez un petit peu la marque, si ça vous intéresse que je vous en parle un peu plus au niveau en vidéo ou quoi. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, c'est sûr et certain, je vais bientôt vous faire un article dessus. Ensuite, autre produit donc que j'ai, c'est la marque Miss Sporty. Donc, c'est une nouveauté aussi que j'ai récemment découverte à Géant. Je ne sais pas du tout si c'est en vente dans d'autres magasins, mais en tout cas à Géant, il y avait ça. Donc c'est l'anti-cerne Perfect Stay 10 heures. Donc c'est un concealer, donc voilà, dans la teinte numéro 001 Light. Donc il est comme ceci. Et donc c'est sous forme un peu de mousse avec un bâtonnet, comme un gloss en fait. Donc il est comme ceci. Et la couleur, là voilà. Donc j'ai commencé un petit peu à l'utiliser. Et j'aimerais bien voir vos avis dessus, si vous voulez que je vous en parle un peu plus ou pas. Et si vous connaissez la marque ou pas. Ensuite, autre produit, donc c'est la marque Les Petits Plaisirs, donc c'est un parfum roll-on. Moi j'ai pris à la Fraîche des Bois, donc il y a d'autres senteurs, là toujours à Géant. Donc là non plus je ne sais pas si c'est disponible dans d'autres magasins, dans des parfumeries ou quoi, je ne sais pas, dites-moi si vous savez. Voilà, donc c'est un petit parfum assez sympa à glisser dans le sac, parce que c'est une forme de roll-on, donc je trouve que c'est assez sympa. Et ça sent super bon quoi. Je pourrais me signifier toute la journée avec ça. C'est trop bon. Donc voilà, mais là aussi dites-moi si vous connaissez la marque. Nous avons des petits cotons, donc je vous les ai présentés dans mes favoris. Du coup là, je vous en parle un petit peu. Donc c'est la marque Les Tendances Lema. Je crois que c'est une marque qui se fait un peu plus connaître. Moi c'est une marque que je ne connaissais pas, enfin juste comme ça, mais je m'étais jamais penchée dessus. Et du coup là j'ai des cotons démaquillants à tester, donc ils sont lavables.
Donc ça aussi, je vais bientôt vous en reparler aussi dans un article. Mais dites-moi un petit peu si vous connaissez la marque, si vous avez déjà testé certains produits de cette marque, si vous avez testé ce produit-là ou pas. J'aimerais bien avoir votre retour dessus, parce que moi, voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, parce que je l'ai mis dans mes favoris. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre retour dessus. Ensuite, nouveauté aussi qui vient tout juste de sortir, donc c'est la marque Nivea. C'est un démaquillant sous la douche, donc dans la même gamme que les corporels. Donc voilà, là c'est pour peau sensible, la peau normale aussi. Peau normaux, peau normale. Je sais plus. Ouais. Donc ça élimine, pardon, efficacement le maquillage et le mascara sous la douche, sans parabène. Donc qui est comme ceci, donc je l'ai utilisé très très récemment, donc je l'ai mis dans mes favoris parce que j'aime bien le concept et tout, mais après là aussi j'aimerais bien avoir votre retour si vous comptez l'acheter ou pas, si vous êtes tenté ou pas. Moi c'est vrai que j'ai hésité, mais comme j'ai l'habitude de me démaquiller un peu sous la douche, du coup je l'ai pris. Mais là aussi j'aimerais bien avoir vos retours dessus. Voir si ce genre de produit vous intéresse ou pas. Ensuite, donc les derniers produits à vous présenter. Donc là aussi, ce sont deux produits que je teste en ce moment. Donc c'est la marque Oral-B. Donc c'est une routine. Donc c'est la. Donc il y a le dentifrice de la gamme Perfection. Donc c'est la gamme 3D White Luxe. Donc il est comme ceci. Et on a l'accélérateur de blancheur, donc toujours de 3D White Luxe, toujours de chez Oral-B, donc qui est comme ceci. Et bah pour le coup, franchement, dès la première utilisation, j'aime beaucoup. Je suis hyper fan. Après, avoir vos avis dessus, si vous l'avez testé, si vous avez bien aimé ou pas. En tout cas, moi, voilà, ce sont des produits que j'ai beaucoup aimés. Et j'ai trouvé que, enfin moi je suis une fan des dentifrices blancheur. Et c'est vrai que ben, c'est le premier dentifrice de tous les dentifrices. Pourtant j'en ai testé un dans toute ma vie. C'est le premier dentifrice qui me fait les dents blanches, enfin un peu plus blanches en tout cas, dès la première utilisation. Donc voilà. Après je sais que par exemple mon frère, lui il aime bien le Signal White Now. Gold, je crois, je sais plus, enfin bref, c'est le tube bleu. Lui, il trouve que c'était ce dentifrice-là qui lui a fait, dès la première utilisation, les dents un peu plus blanches. Moi, je l'avais testé et personnellement, bon, voilà. C'était. Non. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était hyper flagrant. Lui oui, donc comme quoi voilà, c'est pour ça que je vous demande un petit peu vos avis dans cette catégorie là de vidéos. Voilà, j'aimerais bien vraiment faire un autre style de partage de vidéos. Donc ouais, c'est un peu brouillon comme vidéo, parce que j'ai pas encore l'habitude, c'est une nouvelle catégorie. Je sais vraiment pas si ça va vous plaire, si ça va me plaire aussi en montage ou après. Si je vais avoir vos retours ou pas, mais en tout cas voilà, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires dessus. Donc voilà, dites-moi si vous êtes tenté par ce dentifrice, cette routine là aussi, en sachant que ça, l'accélérateur de blancheur, vous devez l'utiliser deux fois par jour. Bon, moi personnellement je l'utilise qu'une fois par jour parce que deux fois par jour, bah, souvent quand je me brosse les dents, il faut que il faut que je remets du dentifrice sur ma brosse à dents. Et enfin, du coup, je suis un peu perturbée par cette routine-là. Du coup, j'arrive pas trop à la mettre en place deux fois par jour. Une fois par jour, ok. Je le fais le matin, travail et tout. Mais c'est vrai que le soir, bah, souvent, je suis claquée et j'ai pas le temps. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc voilà pour ça. Donc dites-moi si vous avez testé ou pas, si vous êtes tentée ou pas. Et donc voilà. Donc voilà pour mes petits produits, mes petites nouveautés. Je voulais vraiment vous les présenter, vous dire ce que je teste en ce moment. Aussi avoir un petit peu vos retours si vous testez les mêmes produits que moi ou si vous en avez déjà testé. Que ce soit de la même marque ou le même produit que moi.
ça m'intéresse aussi. Voilà, donc je sais vraiment pas du tout ce que cette catégorie va vous va donner, si ça va vous plaire ou pas. Vraiment toutes vos impressions en commentaire. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la Birchbox de ce mois-ci. Donc c'est parti! Donc tout d'abord la box se présente comme ceci, donc c'est pas une box.